filou, ça y est, nous voilà sur Der Eisendrach. Nouvelle map, exceptionnelle petite map, très sympa à jouer, avec plein de trucs nouveaux et en même temps plein de trucs anciens, j'ai envie de dire. Voilà, Deep Origins, Vive Moon. C'est parti pour une petite partie en solo et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Allez, c'est parti, on va essayer de se faire au moins un arc amélioré et d'aller le plus loin possible dans le secret parce que au point où j'en suis, j'ai toujours pas regardé, même si j'ai eu quelques indices, j'ai toujours pas regardé la suite du secret et la finalité. Voilà, donc on est reparti, je vais vous montrer ce que je sais moi et j'espère faire du mieux possible. Voilà, allez, let's go. Allez, on est en route. Bon, le fusible. Hein. Ça va nous avons échappé aux géants. Mais une fois de plus, nous nous retrouvons face à une version infernale de la machine de guerre allemande. Alors j'ai laissé. Ce cauchemar s'achèvera-t-il un jour ? On ne sait pas. J'ai laissé le son mélangé exprès pour que vous ayez bien le son du jeu de façon à bien capter les secrets, puisque tout est expliqué en audio pratiquement. Enfin pas tout, bien sûr, mais. Beaucoup d'indices sur ce que vous avez à faire au fur et à mesure sont donnés. Donc là, moi j'ai l'aviateur. J'ai peut-être moins d'infos que si c'était Richthofen. On appelle le tram tout de suite, on utilise le fusible. Alors, donc le tram nous ramène un bonus aléatoire. Moi j'espère le x2, là, je suis là. Voilà, j'ai le x2. Donc on va les couper un petit peu. Descendez. C'est pas mal comme configuration de départ d'avoir le x2. Ça permet tout de suite d'avoir suffisamment de points pour ouvrir les deux portes et commencer à nourrir le dragon. Donc faut pas que je rate le x2. Voilà, ils sont là. On y va. Donc là, on va les aligner. Ils viennent de doubler. Il en a pris 8. Ça lui suffira. On va enchaîner avec cela. 8. C'est pas mal. On va lui en aligner 4. Il y en a déjà suffisamment de points. On va aller faire le dragon. On va faire que celui-là, prendre le x2, le reste on se le garde. Ah, j'aurais pu faire un peu. Donc là on est pas mal. Pas oublier de prendre les points des atouts. Est-ce qu'on se prend un quick revive maintenant? 2000. Il va me rester 1500, il manque pas beaucoup. Acheter un petit flingue après, ouais, ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Allez, on va déclencher, on reviendra après. Il nous reste 12 balles. Il nous reste 12 balles. Je vais être obligé d'y aller que au couteau après pour les tuer eux. Ouais, on va lancer comme ça. Allez, c'est parti. J'ai pas activé la plaque. Non. Allez, il nous en reste 3. On est plutôt bien barré. On va pouvoir déclencher le dragon. Petit crâne, important. Double coup. 100 balles. Donc pensez-y hein, encore une fois à ça, hein, parce que 100 points c'est énorme hein, au début. À la manche 25, bon, je vous accorde, ça sert plus à grand chose. Donc là, le fameux dragon qu'il va falloir déclencher, vous le connaissez. On va récupérer la pièce du bouclier. Souvent ici. Quelqu'un sait à quoi ça sert, ça ? Oula, 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 voilà. Donc trois emplacements. Aire d'atterrissage activé. Oula, oula, oula. Allez, viens dès ma bande. Donc 12 balles. Peut-être mettre une série de 4. Si j'arrive à couper les 3. Ça nous permet de racheter le revive. Ça nous permet surtout d'avancer. On va essayer d'économiser. On va risquer, hein. On va risquer la mort. Et j'en avais pas 3 à la base. Yep, yep. Où es-tu-je? C'est pas mal. Ah, te v'là. C'est con à dire, hein. On va dire que je perds du temps. J'aurais pu déclencher le dragon, mais voilà. C'est pas beaucoup de balles. 3 x 10, 30, hop, 30 balles par mois, alors que 20,
c'est pas grave, ce sera toujours ça. Plus rapide que d'autres. Crève, crève, crève! À ce rythme, je vais bientôt combattre à main nue. Ils ont déjà, ils ont pris les balles. Allez. La récupération du cobaye d'MC est désormais compromise. La capsule où se trouve son corps est en train de s'éloigner de la Terre. L'arme est une démonstration de la force russe. Si les murs pouvaient parler, ils diraient sûrement à Nikolai d'arrêter de leur clouer des planches dessus. Prochaine, il nous faut 1250 pour ouvrir ça et après il nous faudra 1500. Donc on va être obligé de faire un peu de kill, on n'a pas le choix. Si ça fait clic-clic, Nikolai se battra comme un ours. Munitions au max! Des munitions gratuites! 2760. Pas très capitaliste! Allez, c'est parti au dragoon. Le bouclier, pendant qu'on est là, souvent il est ici. Je protégerai cet objet à la vie et à la mort. J'espère tout de même ne pas devoir en arriver là. On va y aller au MR6. Derrière le poteau, toujours, pas devant. Dépêche-toi, dragon! Nikolai a beaucoup de choses à faire! Voilà ma soif de ta chair! C'est parti, le crivail. Je me disais, quand on appuie là-dessus, ça fait zzzz. La salle des arcs. On a fait un dragon. On va allumer les deux autres très bientôt. Siège éjectable. Basto. Nounours. C'est vrai que on peut aller pratiquement partout à partir de la salle de la pyramide. La pyramide. On va déclencher la pyramide. On va être tranquille, on va le développer. Petite explosion. On l'a pas éclopé. Donc on monte sur les plaques. Ici le poste de Nitron. Oui. Répondez. On est là. Ici, Nitegle. À vous ? À vous ? Richtofen, c'est vous ? Bah oui. On avait plus de nouvelles. Mon craignait le pire. Ne craignez rien, Docteur Grove, c'est moi, Eckbach. Considérez tout rapport du géant et vos commandes comme erroné. J'espère que t'es pas contagieux. À moins que je sois immunisé. Initialisation du processus de fusion 115. Venez goûter au point de la fureur, bande d'ordures. Ils sont pas très précis. Les barrières vont tourner et les balles vont siffler. Bon, t'as fini.
89. Déjà rassasié, dragon ? Tu es sûr que tu ne veux pas d'autres démons ? Vas-y, remplace. Ah non, il veut pas. À situation désespérée, mesure désespérée. Ah, colère. Allez, Jordan, je suis vos activités de près. Ok. Et je dois avouer que je suis très inquiet. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites en présence de nos ennemis ? Richtofen. Richtofen. Ça m'embête de t'expliquer. T'avais qu'à suivre en même temps. Donc on a notre arc et notre RK5. On va récupérer notre arc. Un bon coup dans la girouette. Merci jeune homme. Donc voilà, on obtient notre petit roue, notre petite roue là, qu'il va falloir remplir. Donc voilà, sur notre personnage. Pour l'instant, elle est vide. On a juste de quoi la faire. Donc si ma mémoire est exacte, il faut que j'allume les foyers. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti de là, je sais pas où je vais aller. Hop, notre premier foyer il est derrière. Donc on tire, on vise et on se rappelle. Une flèche, un tir, des morts. Ça c'est fait. Celui-là il est assez facile à avoir. Yes. Ok, tour qu'un développé. Petite astuce encore, rappelez-vous qu'on peut les changer d'allure. Donc, vous avez des éclopés rapides, vous voyez, vous venez au contact, vous laissez couiner un coup et vous avez changé sa façon de se déplacer. Vous voyez. Donc après c'est plus ou moins rapide à chaque session. Voilà, là je suis assez rapide, donc ça fait chier. Je le ralentis. Il y a toujours une position qui est beaucoup plus lente que les autres. Donc voilà, on règle son zombie en fait. Hein. Comment régler son zombie ? Puis on laisse se frapper. Voilà, là il est pas très rapide, c'est pas mal. Allez, donc moi je viens à ce niveau là. Tac, je mets le bûcher derrière le pouce là, vous voyez, de mon arc là. Hop, et je règle vers la droite. Normalement c'est pas mal, voilà. Parce qu'il faudra tirer deux fois dedans, et une fois que vous avez qu'une seule flèche à charger, c'est mieux de savoir où vous tirez, surtout s'il y a du zombie autour. Donc maintenant on va au. Allumer le troisième bûcher. Qu'est-ce qui me manque? Une partie de bouclier. Ouais, qui est en bas. On va la récupérer. Souvent le long des trucs là. Ou là. Ou sur les murs, on va aller voir. On va aller là. Voilà, je l'ai récupéré. Non, je l'ai pas récupéré. Gueule, toi. Voilà, ça y est. Si l'occasion se présente, je me ferai un plaisir de partager ma trouvaille. On a pris le bouclier, on va les construire tout de suite. Donc voilà ce que je vous disais, les clopés, comme je les semais, ils les spawnent. Ils respawnent entiers. Par contre, vous pouvez pas le ré-cloper. Hein. Nikolai a un bouclier. Nikolai est content. Ouais, voilà. Nikolai est content. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On va la fusée. Donc oui, hein, les clopés, s'il a déjà été clopé une fois, vous pouvez pas le faire deux fois. Impossible de savoir ce qui se passera quand on aura récupéré l'autre DMC. Peut-être que Richtofen nous dévoilera ses dessins. Dans la flèche. J'ai déjà vu des vents glacés geler les yeux des hommes. Ok, pendant qu'on est là, on va activer la fusée, on va attendre qu'elle débarque pour récupérer une pièce du Ragnarok. Attention, test de. Allez, c'est parti. Veuillez quitter la zone. Fermeture des portes. Nikolai normal. Bien. 9, Nikolai en flamme. 8, moins bien. 7, 6, 5, 4, parti. 3, 2, 1. C'est pas respect de poser à côté du bois. Test terminé. Système opérationnel.
cet objet a une raison d'être. Et Nikolai va la trouver. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille activer les vents. Parce qu'en fait, c'est plus l'arc du tonnerre qu'on a que d'autres choses. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est un mélange de feu. Donc, on a l'arc de feu au départ. Et pour cette magie-là, on a donc le feu, on allume les bûchers avec le feu. On mélange ça avec le vent. En passant sur ces petites choses-là. Donc, on peut faire tout le tour. On peut rester collé. Hop, on va retomber. Normalement on peut rester collé. Voilà, c'est fait. Ils sont allumés maintenant, vous voyez. Donc voilà, on mélange le feu avec le vent et avec ensuite l'électricité. Ce qu'on fait, le feu, vent, électricité. Tonnerre quoi. Voilà. Donc un petit mélange d'éléments. C'est parti, maintenant on va aller nourrir les bases. Maintenant qu'on a fait, qu'on est passé sur les vents, on a ces vases là qui s'allument. On en a un ici, un à la fusée, le téléporteur, et un dans la petite descente. On va y aller juste après. Il suffit de tuer du zombie à côté, avec peu importe avec quelle arme, peu importe quelle méthode vous utilisez, il faut juste tuer du zombie. Je ne me suis jamais pris pour un archer, mais mes flèches trouvent toujours leur cible. Donnez-moi leurs armes. Allez, on va jouer à la baballe. De flingue, bien sûr. C'est pas risqué des explosifs à côté du bois. On va allumer ici, on va partir. On va partir pour charger l'autre. Au moins je n'aurai pas à le faire moi-même. Il est fait. On va aller à la fusée par le téléphone. Ça m'a plu, je crois. Pour nourrir la troisième lampe. Donc c'est pas cher, hein. Quelques voyages quand même. Et la troisième lampe, elle est là. Ok, je vais faire le pire jeu dessus. Voilà, c'est bon, ils sont calmes. Alors, je vais remplir ma flèche. Tant que vous restez avec eux, il n'y a pas de risque. Hein. Ah si, ils peuvent descendre tout seul. Celui-là, je vais montrer les deux, que j'avais pris. On va faire un peu simple. La flèche. C'est bon, c'est fait. Ok. Maintenant, on n'a plus qu'à aller allumer l'autre. De tes miasmes, sale monstre! Ok, ça c'est fait.
girouette. Ready. Bah, c'est pas mal déjà. C'est ce bordel. Ça vient pas toujours tout de suite. Tiens. Ah là, j'ai eu un bug graphique. Il est monté, il est redescendu, il est là. Donc c'est... voilà. C'est un petit peu long des fois. Une fois que les bûchers ont été électrifiés. Mais... ça fait une petite problème. Donc j'ai ma flèche, ça y est. Ça m'étonnait de pas avoir mon cercle rempli. Quand le cercle est rempli, ça veut dire que vous avez terminé les étapes du cercle, enfin de l'amélioration. Il faut aller poser votre flèche pour la dernière étape. À votre emplacement, vous avez les munitions automatiquement. Munitions, Max ! Quel généreux cadeau ! Nicolas est ravi ! Et donc maintenant, il faut nourrir sa flèche. Donc j'ai dit masto quand même. Donc pour nourrir la flèche, il faut absolument que les zombies soient autour de la pyramide. Est-ce que tu regrettes enfin ce que tu as fait ? Mais dans les images, des fois même sur les images de surveillance sont plutôt inquiétantes. Ah bon ? Que se passe-t-il, bon sang ? Oh. Bah c'est le bordel un peu, chef. Il semble que les lieux ne soient plus sécurisés. Bon. Allez, ça suffit, hein. Quand même. Flèche, mais on va poser l'arc. Tac, qui va se transformer. Arc ultime. Et voilà, nous avons notre arc ultime. Mère Nature a décidé de nous aider. Hein. Un de ces quatre, une petite vidéo, pourquoi pas, si ça vous tente en solo, faire les quatre arcs. Donc pareil, en solo, je sais pas si on peut faire le secret. On va voir, on va tester. Bon voilà mon arc électrique, je suis content, c'est la première fois que je l'ai. Allez, on va déclencher le secret. Donc pour ça, on va reposer notre arc qu'on vient juste d'avoir. Ça pique, mais bon, c'est comme ça. Donc on le dépose à l'emplacement ici pour récupérer l'arc de base. Les armes les plus simples sont parfois les plus efficaces. Ça, je présume que vous cherchez à vous procurer les résultats des travaux du groupe 935 pour exécuter vos sombres desseins. Sachez une chose, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que vous ne montriez pas ce château. Voilà, le petit bruit qui veut dire que vous avez réussi. Donc là, c'est la première étape du secret. La deuxième étape maintenant, c'est de trouver sur la map, on va récupérer notre arc ultime. Un russe avec le pouvoir de la tempête. Oh, ça va se couer. Parmi, je pense, 8. Donc parmi ces objets, on voit un. Donc on a la pendule ici. Ça a fonctionné. La deuxième, elle est là normalement, elle n'est pas allumée. C'est pas celle-là. On va passer par le haut. Il y en a un qui peut être la pendule qui est là. Ce n'est pas le cas. Alors, il y en a un autre qui doit être à l'électricité. Oui, c'est ça. Alors, on va continuer sur notre chemin. Un autre, ça peut être le globe. Est-ce que je trouve le petit bruit en Russie, l'électricité est un luxe. Le petit dragon qui grogne. Je me demande s'il n'y en a pas un par là. Non, je crois pas. Le prochain. L'électricité, mais c'est celui que j'ai fait. Ah, ça peut être le spawn aussi. J'ai pas fait le spawn. C'est par... ah, c'est celui-là, superbe. Ça m'en fait 3, je pense. On va attendre que le dragon drone est nouveau. Ah, et ça se relance. Ça peut pas être ces deux-là, je pense. Hein.
répondu non plus. Donc on va passer en speed. Je vérifie quand même, hein. Non, ça serait pas cool. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à ce Maxi. Voilà. Alors je vais vous montrer les autres quand même. On va écouter ce qui se passe. Vous avez entendu. Donc à partir de là, on peut retourner au téléporteur. Je vais vous montrer le spawn. Là où ça peut s'allumer. Et il y en a un, c'est le téléphone qui est là. Partie des objets qui peuvent être électrocutés. Et l'autre, je crois que c'est dans la montée ici. Là, en face, là-bas. Ici, ça peut être là, là. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, il y en a 8. On va regarder la vidéo. 8 objets possibles et 4 qui s'allument pour cette première étape. Et maintenant, on peut aller au téléporteur. Donc au téléporteur, ça va aller très vite. Hein. Normalement, si le cul du téléporteur est violet, c'est que c'est bon. Ça va, voilà, c'est bon. C'est ok, l'étape est validée. Donc maintenant, on y va et on va se retrouver dans cette salle, mais en noir et blanc. Il y a des choses à récupérer. Donc, chez Wesson, hein, parce que j'y suis allé. Donc, là, on a eu un fusible ici. On a ça à prendre là qui brille. Pourquoi je vous demande d'étouffer vos ridicules appréhensions et de ne plus repousser l'avancée du projet. Voilà, je vais ignorer vos insultes, Richtofen, et vous apprendrez que les progrès effectués dans notre complexe lunaire ont en fait permis d'accélérer nos projets. C'est maintenant, oui, c'est ça. Je ne doute pas que la découverte de l'engin pyramide est un élément déterminant quant à l'issue du conflit. Slash et le tube couché. C'est assez simple. Et puis n'hésitez pas à chercher partout, faudra revenir par là tout à l'heure. Il y a un truc à combinaison.